Et salut à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode. Alors je suis de retour, c'est bon, de mes vacances, enfin. Enfin voilà, parce que je suis un petit peu content, voilà. Alors aujourd'hui voilà, on va parler un petit peu, ben, de... Je suis en train de, voilà, de regarder quand même que Dofus, comme d'habitude, ça n'a pas stagné comme à l'époque. Enfin pas comme... En 15 jours, voilà, ça n'a pas stagné, désolé, voilà, j'ai du mal à parler. Comme d'habitude, de toute façon, vous allez me dire. Voilà, c'est bon, dans la guilde, il y en a déjà les niveaux 100, les niveaux 110. Et tout, et moi je suis encore stagné en niveau 75, tant pis. Bon, aujourd'hui, voilà, on va se retrouver pour les petits changements pour septembre, comme je vous ai dit. Donc voilà, ça vous pourrez le lire de votre côté, comme j'avais dit. Et bien sûr, ils ont parlé des une nouvelle zone inédite, sans sable, bien entendu cette fois-ci. Je sais pas pourquoi, voilà, ils ont parlé de ça, je sais pourquoi, je pense, hein. Et donc en gros, ils ont fait la refonte des interfaces. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour septembre? Leur fond des interfaces et du 16/9e, ça, j'aime bien. Enfin voilà, parce que oui, je me suis dit tout à l'heure, ouais, en fait je suis en train de faire un petit peu de copier comme les autres et tout, mais pas vraiment, parce qu'en fait, comment dire, je copie pas parce que j'ai mon avis à moi, voilà. Et comme j'avais dit, voilà l'interface, j'ai quand même regardé 3 vidéos qui parlaient de ça, après, enfin, après avoir fait la mienne, parce que voilà, je voulais pas non plus me polluer mon, comment dire, polluer mon commentary, voilà. Pas en disant les mêmes choses que les autres, voilà. Quoique je pense quand même toujours ce que je dis, voilà, bien sûr, je pense toujours, voilà, ce que je dis à peu près. Et donc en gros, la refonte de la 16/9e et de l'interface, j'aime bien. Le petit problème, c'est comme je l'avais dit la dernière fois, c'est que j'aimais bien la minimap au centre, enfin voilà, qui serait du... Enfin maintenant ils l'ont mis en haut à droite comme tous les MMO. Enfin je me rappelle plus en fait comment c'était, mais je crois que c'est ça. Et aussi voilà, j'aimais bien aussi comment c'était fait en rond la barre d'XP. Oui, tu sais, ils auraient juste dû la mettre autour de la vie, ça aurait été parfait. Parce que là, voilà, ça ressemble un petit peu trop aux autres MMO. Et c'est toujours un peu dommage, mais c'est pas vraiment si grave. Voilà. La refonte de la classe Osamoda, ça, voilà, je l'attends toujours avec impatience. Je vous la montrerai, bien sûr, pas niveau 200, hein, comme beaucoup de personnes vont le faire. Voilà. La refonte de la zone de Kania, comprenant les familles de monstres et des nouvelles quêtes. En ce moment, voilà, ça va peut-être pas m'intéresser. Enfin, les quêtes m'intéressent pas vraiment beaucoup. Parce que j'ai du mal quand même à m'intéresser aux quêtes, c'est un peu long, c'est un peu chiant, c'est toujours aller voir les gens et tout. C'est pas comme dans Wakfu, parce que Wakfu, voilà, ça. Je suis quand même. Voilà, en plus, ouais, j'ai envie de un petit peu de rejouer à Wakfu. C'est que c'est vraiment très. Comment dire, les quêtes sont spéciales, l'aventure est spéciale. Vous pouvez le faire entre potes, c'est toujours sympa. En plus, voilà, les quêtes sont faites extrait, des fois exprès d'être faites entre potes. Et c'est super, quoi. Mais bon. Franchement, là, c'est normal, voilà, c'est Dofus. Dofus, c'est plus du farming et tout, comme j'aime aussi toujours. Hein. Et voilà, Dofus, j'espère que ça va pas perdre non plus tout ça. Ensuite, eh ben voilà, les nouvelles familles de monstres. Alors, qu'est-ce que je devrais en penser? Il y a les sangliers, voilà, ça, enfin, les sangliers, voilà, comme ça, je crois que le sanglier, voilà, il est resté comme le troll. Le troll, je sais plus comment on le dit. Moi, j'aime bien le dire le troll parce que là, voilà, ça fait toujours rire. Pantsa, voilà, ça, c'est. Des couleurs différentes de... Ah bah tiens, on peut faire ça comme ça. Ça change rien du tout en fait, les gens, on va laisser comme ça. Voilà, c'est... Je pense que ça sera super pour ça si je veux le mettre en miniature. Si j'ai réussi enfin à faire des miniatures. Comment dire, ça franchement là, j'aime bien, mais ça ressemble un peu trop à Free Ghost. Mais tant pis, et celui-là, je l'adore parce que je crois en fait qu'il a jamais été fait. Et il me fait bien rire. Vous voyez, un petit peu un sanglier en mode... tout ébouriffé en mode idiot, quoi. Ça fait rire, enfin voilà. Ensuite, les trolls, j'aime pas celui-là du tout parce qu'ils l'ont déjà trop repris il y a pas longtemps. Lui, je le trouve bien, mais voilà, lui c'est comme d'habitude quoi. Mais je crois en fait ceux-là ils vont être supprimés. Je sais plus. Et ça, je crois aussi qu'il était à l'époque, mais je ne sais plus non plus. Et lui, franchement, je l'adore lui, juste pour une simple bonne raison, c'est qu'il a un petit, vous voyez, un petit, une sorte de mini couronne. Et on dirait voilà que c'est un prince, enfin, je sais pas, le prince des trolls et tout en mode badass. Et ça fait limite rire. Enfin, vous voyez, c'est pas le prince charmant en mode charmant, voilà, très beau et tout, mais en mode gros badass. Et je sais pas, ça fait un peu classe et rire. Voilà. Ensuite, attendez, j'ai pas voulu non plus vous spoiler les nouvelles zones. Les Bouorks. Alors, les Bouorks, voilà, je crois que c'est une nouvelle. Enfin, là, elle est déjà connue, enfin, elle est déjà en famille. Mais les Bouorks des plaines, c'est pas pour l'instant une famille de monstres connue. Alors, pourquoi pas avoir une capuche, je sais pas du tout. Mais voilà, ça ressemble un petit peu au troll normal. Lui, je trouve même qu'il existe normalement en troll normal. Qu'est-ce que je dis en troll en bourg normal, c'est comme lui. Mais en plus plaine. C'est sympa, c'est vraiment sympathique hein, franchement là. Voilà, ils ont même changé le bâton et tout pour que ce soit un bâton
qui soit pris de l'autre zone et tout, voilà, franchement, pour dire voilà que c'est bien des zones différentes, donc des armes différentes, un type de bois ou de fer différent et tout, ça fait stylé, voilà. Ensuite, les voilà, ça franchement, pente là, j'ai adoré les nouvelles zones. Attention, on va commencer le boîte Litneg. Ça, voilà, j'ai bien entendu tout à l'heure les commentaires. Tout le monde est en mode waouh! Ils vont mettre des trucs aussi sur le côté, quand même, un petit peu comme les grottes. Franchement, voilà, c'est fait super beau et tout, sauf qu'on. Enfin, je sais pas pourquoi, il y a un petit défaut, c'est que ça ressemble un peu trop à Wakfu. Désolé, voilà. Désolé, voilà, pour mon petit blanc. Bon, ça ressemble un peu trop à Wakfu. C'est. Voilà, franchement, c'est. Voilà. Mais, enfin, vous voyez un petit peu le côté. Comment dire? La patte artistique, je sais pas pourquoi, elle se rapproche. Et je sais pas vraiment comment ils vont mettre ça dans le truc. Mais bon, c'est vraiment bien. Franchement, j'ai de leur part. Même si, s'il y aura un combat, ça sera tout mis en. Tout le monde sait, voilà, de toute façon, que tout le monde le verra hors combat, ça. En combat, ça sera jamais exploité. C'est normal, hein, voilà, c'est tout à fait normal. Et désolé pour vous. Voilà. Donc voilà, le boîte Litneg, hein, franchement, qui. Et là où les seuls monstres agressifs, c'est les trolls. Je crois qu'ils vont mettre les Borgs aussi dedans, voilà, pour savoir vraiment une zone agressive pour les chasses trésors. Parce que voilà, pour l'instant, à part le troll, moi je suis super heureux de toute façon de passer un pied dessus et repartir. Ce qui se passe beaucoup de fois, franchement, dans mes quêtes, de mes chasses trésors. Et là, voilà, franchement, ça fait toujours sympathique. Après, je sais pas du tout comment ils vont réussir bien à le mettre dans tous les champs de Kanya, mais bien entendu, ça sera un petit peu plus illuminé comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, après, voilà, les cimetières de Banta, comme je vous l'ai dit, voilà, un petit peu trop à la Wakfu, les crânes et tout, voilà, trop, c'est pas assez détaillé, mais franchement, vous voyez comment c'est beau, enfin, rappelez-vous, je vais pas non plus mettre l'image parce que je suis jamais allé moi non plus sur Dofus, mais c'était un petit peu trop, disons, limite, le cimetière de Sillimote, mais un tout petit peu plus illuminé, là, on dirait vraiment un choix, vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle, les nouveaux cimetières, les jardins des souvenirs, voilà. On pense peut-être qu'ils vont enlever les mandragores cette fois-ci, parce que ouais, les mandragores, ils vont peut-être les mettre dans le cimetière de Sillimote, enfin j'espère ça. Parce que bah, c'est moche, enfin c'est. Comment dire? Ça a pas du tout avec le mandragore, vous voyez, c'est un petit peu enfin, la plante du mal et tout. Et la mettre dedans, ce serait. Perdre un petit peu de charme, mais tant pis. Et franchement, vous voyez, voilà, ça fait un petit peu voilà, un jardin des. Voilà, on va reprendre. Ça fait un petit peu un jardin des âmes. Vous voyez le petit orme ici. Le jardin des âmes. Alors, je peux pas parler du tout. Non, jardin des âmes, ou je sais plus comment ça s'appelle déjà. Jardin des souvenirs, désolé. Voilà, parce que vous voyez un petit peu, voilà, il y a un arbre ici, il y a des fleurs tout autour. Bon, il y a des. Il y a des Enirisa en train de pleurer. Ça, c'est. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais ça fait un petit peu plus triste tout d'un coup. Ça fait quand même, voilà, que c'est encore un cimetière, c'est pas non plus un truc de malade. Les crânes, comme voilà, je vous l'ai dit, changez-les s'il vous plaît. Ça fait trop Wakfu. Et l'orme, pente là, je sais pas du tout quelle zone c'est. Mais voilà, les gens peuvent savoir en fait que là c'est une map en diagonale, enfin la diagonale de gauche en haut, et c'est peut-être la même zone et tout. Et franchement, voilà, je trouve ça super. Franchement, voilà, ça c'est du très bon boulot, à part comme je vous l'ai dit, voilà le petit côté Wakfu. Voilà, c'est bon, je crois que je vais finir cet épisode ici. Alors merci d'avoir regardé cet épisode, merci d'avoir répondu à ça, enfin, merci d'avoir répondu. De répondu. Désolé. Merci d'avoir regardé cet épisode. Alors franchement, sinon je vais vous dire. Franchement, vous croyez pas vous que Dofus franchement fait un énorme travail face à d'autres jeux, bien entendu je parle. Mais je crois en fait c'est surtout à cause d'une seule chose, enfin grâce à une seule chose. C'est. Attendez, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Voilà. C'est grâce à une seule chose en fait, les gens, c'est une. Que je suis sûr pour moi qu'ils avancent aussi vite. Ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de gens quand même. Quoique si, franchement, en se disant ça va bien. Après moi je connais pas beaucoup, à part Hagrid, franchement voilà, je sais très bien que tous les serveurs sont vides, hein, à part Joel ou autre. Et la communauté personnellement est énorme. En se disant le PVP, c'est un petit peu comme ce que je parlais de LOL, enfin c'est ce que j'ai entendu ça, comme écho certaines personnes, c'est que les gens sont un petit peu en mode ouais tu sais pas jouer, voilà. Alors que pourtant, voilà, on s'en fout totalement que le mec sait pas jouer ou pas. Il y a toujours de toute façon des gens plus forts que vous et des gens moins forts que vous, voilà. Et en gros. J'avais pensé à ça en fait, voilà, la communauté est énormément, mais vraiment énormément sympathique et tout, voilà, je l'ai râlé dans les commentaires là, parce que bien sûr je le mettrai pas ou comme vas-y hop là. Franchement, les gens sont super positifs, à part deux fois deux trois trucs et tout, on peut pas non plus demander à Dofus de faire des millions et tout.
Par exemple, LOL, j'ai regardé, voilà, ils ont fait un reward de Yuri qu'ils ont annoncé depuis des années. Voilà les gens, ça fait des années qu'on l'attend, limite, il n'y a presque plus de hype. Je vous jure, moi j'étais même pas hypé dès que j'ai vu le rework et je ne ferai même pas, voilà, une vidéo dessus. Parce que là, de toute façon, il y a déjà beaucoup trop de gens qui font ça sur LOL alors que sur Dofus, il y a moins de gens. Et bon, après, voilà, j'ai vu aussi, voilà, que la communauté, même sur ma chaîne, il y a la communauté de Dofus est super sympathique et tout. C'est toujours, waouh, super vidéo et tout. Or que des fois, je fais ça à la YOLO, hein. Je vous dis la vérité, hein, de toute façon. Moi, je fais ça à la YOLO, je fais ça pour le plaisir. Alors, je m'en fous des fois que ça soit mal fait. Et voilà. Si ça vous plaît, je suis super content, moi aussi, hein, attendez. Voilà. Bientôt, je vais essayer quand même de vous aller proposer de meilleurs contenus à chaque fois. Bien entendu, c'est normal, hein, voilà, c'est toujours normal. Et franchement, voilà. Et pourtant, voilà, j'ai un petit peu l'impression, là, quand même, de plagier. Pas de plagier, mais de faire la même chose que les autres. Et pas de faire un truc nouveau que vous allez me dire après, ouais, on t'a connu avec les conspels, comment c'est faire ses propres astuces Kama. Oui, mais il y aura toujours quelqu'un après qui va me dire, ouais, regarde ce mec là qui a un abonné, zéro vue sur la vidéo, mais qui a quand même fait le même concept. En plus mal fait ou en mieux fait, je sais pas. Voilà, il y aura, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui l'aura fait avant moi. C'est normal, je pense, parce que voilà, YouTube quand même commence un petit peu à vieillir, je pense, hein, voilà, c'est juste un sentiment, parce que voilà, de toute façon, moi j'ai pas envie de faire ma vie YouTube, comme je vous l'ai dit. Enfin, comme je n'arrête pas de le redire. Et pour moi, voilà, en tant que viewer, ça vieillit. Bref, ça, on s'en fout. Et alors voilà, c'est grâce à vous, voilà, de toute façon, que Dofus devient de mieux en mieux, hein. Voilà, alors merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines aventures. Bien entendu, abonnez-vous, likez, c'est toujours très sympathique. Laissez des commentaires, c'est toujours aussi très sympathique. En plus, à chaque fois que je regarde les commentaires Dofus, même à mon retour, j'étais, ouah, les gens, ils sont pas en mode énervé et tout, je fais plus de vidéos. Ou alors ils sont en mode, ouah, c'est super et tout. Il y a un mec, quelqu'un là qui m'a contacté en me disant, si vous pouvez faire ma bannière, je te laisse faire, mec. C'est clairement, voilà, c'est. De toute façon, maintenant, je suis totalement limite trop confiance en la communauté de Dofus. Je sais même pas du tout comment ça va venir. Et donc voilà, merci de voir cet épisode. C'était Jens. Allez, bye tout le monde.